Hey hey hey, QQ mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on retrouve notre petite famille. Eulalie a une envie pressante en pleine nuit, pourquoi pas? Et je voulais vous montrer. Ah mon dieu, il faut qu'il soit relooké. J'ai transformé la micro-chambre de Bambin où Julien finalement puisse avoir un petit lit pour lui être tranquille. Bon, on est loin du confort bourgeois d'où il vient, mais c'est toujours mieux que rien. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a, mon godigodou Godefroy? Dis mon chou, il est tout tristesse. Oh là, 2 jours? Attendez. Ça veut pas dire qu'il y a encore quelqu'un qui est décédé que. Quoi? Non, bah c'était toujours. D'accord, c'était Fufu hein, qui était parti. Mais pourquoi lui, il est encore triste 2 jours? Je comprends pas. Enfin bref. Pour le petit Godefroy, vous avez décidé. Et la fiancée qu'il aura, ce sera. Séraphine, vous avez choisi la blonde à vraiment beaucoup de voix. Donc je merci beaucoup déjà énormément pour les plus de 400 votes. Vous êtes des amours. Et puis ben ok, on va en caser le petit Godefroy. En attendant que la petite Adélie qui fait encore dodo grandisse, c'est pour l'instant dans un jour, donc on va croiser les doigts. De bon matin, Radie, elle s'est dit moi je vais nettoyer les chiottes. Parce que c'est sympa aussi. Pour notre petit Amédée, effectivement, je lui ai remis un peu de couleur dans les cheveux. Non, il s'est pas fait de teinture, on dira juste que il a pris de l'âge, donc il a un peu plus de cheveux blancs et gris dans sa tignasse, mais qui s'est pas encore devenu tout gris, et puis ça a fait un peu plus naturel, on va dire. Donc voilà, il a un petit peu changé. Ah bah oui, mais tu sais, t'as de quoi faire, mon coco, hein. Faut aller dans ton toilette, hein, avec plaisir même. Ouh là là! Première nuit chez nous, Julien? Il est pas très très content. Oh, ça va. Non, finalement, ça va. Un petit coup d'œil sur l'arbre généalogique de notre famille. Je pars de Petroni. De toute façon, que ce soit Petroni ou Mathurin, ça revient au même. On avait nos 6 enfants avec Fufu qui est déjà parti dans un autre monde. Et Anastase qui va bientôt le rejoindre, malheureusement. Tout le reste est encore bien en vie. Et puis là, par contre, ça se gâte hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui sont là. Donc on connaît ceux-là, c'est les nôtres. Hein. On va passer donc ceux de Fufu. Fufu, il a eu 4 enfants. Il a eu Patrick, il a eu Alice, il a eu Alexandre et Julie. Ensuite, on a notre Anastase. Il y a eu 3 enfants. Donc Sarah, Pernille et Aurélie. Nous avons Anastase qui, avec Ise, ont eu 2 filles, Manon et Caroline. Hildegarde. Avec Géraud, elle a eu 3 garçons, disons Clément, Thierry et Paul. Ok, super. Et il nous reste notre jumelle Cunégonde qui a eu 3 enfants avec Sandor. Qui sont donc Véronique, Vincent et Guillaume. Et lui, Sandor avait déjà fait une fille de son côté mais qui ne fait pas partie de notre famille. Voilà pour le petit check-up de l'arbre généalogique. On se met déjà au boulot. Eulalie qui fait des pastas, Amédée qui construit une baignoire. Tout le monde se réveille petit à petit. Oula, 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 voilà la factrice. Elle va nous ramener des sacrés. J'ai peur. J'ai peur. 915 de facture. Bon, c'est pas aussi pire que j'aurais pu croire, mais ça reste quand même beaucoup par rapport aux 200. Imaginez, on aurait eu les 900 de facture dès le départ dans la génération. Ça aurait été très complexe. Alors, est-ce que tu te sens bien chez nous, Julien? Voilà, t'as passé ta première nuit, t'as même ta propre chambre, t'as ta future fiancée là en face de toi. Ah bah regardez! Oh, ils vont s'envoyer un bisou, mais qu'est-ce que c'est mignon! Ils sont amoureux, hein, ils sont contents. Voilà, ils sont pas encore mariés, mais ça va pas tarder, hein. On va pas tarder à faire ça. Julien, il s'isole un peu parce que là, il est pas très content. Hein. Il trouve que la déco est dégueulasse, enfin fade. C'est banal, c'est pas. Mais en même temps, mon coco, t'es plus chez toi, donc c'est normal. Les toilettes en plein air et tout, je t'avoue, c'est pas très très classe, mais c'est comme ça. Voilà. Oh, mais dis donc, il y a Eulalie qui prend son bain juste à côté. Ah, il tente le petit coup d'œil, il se dit attends, mais moi je veux voir la marchandise avant. Ah! Bah, il n'y a pas eu de choc, donc à mon avis, il devait être content. Oh, c'est trop cool, on a récupéré des petits pots de miel. Ça fait plaisir, on va les donner à Amédée.
Je pense qu'il va survivre hein, d'ici le jour du marché. Donc, par contre, on a des bougies à faire. Alors, vas-y, fais-toi plaisir, vraiment. Oh, bougie moulée cylindrique, trop cool. Allez, Maradi. Si tu fabriques des bougies plus grosses pour qu'on les vende plus cher. Allez, moi, j'espère. Oh, mais qui voilà? C'est la belle Séraphine. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Hein? Oh, ils seront mignons tous les deux, je pense. En tout cas, pour l'instant, vous avez choisi full blond pour nos... Enfin, sauf pour du coup la petite Frénégonde qui est partie. Mais bon, pour l'instant, c'est sympa. Tu veux un petit secret? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve tellement belle. Ah, mais oui, bien sûr, le bleu, c'est ma couleur. Mais qu'est-ce qu'elle vient squatter, celle-ci? Mais casse-toi! Mais franchement, Véronique! Oh, Véronique, dégage de là! Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Tu sais que tu es charmante, très charmante. Oh, bah dis donc, mon petit. Bon, alors, sinon, ça te dirait que je te titille du bout du doigt comme ça? Elle n'a pas l'air trop dégoûtée. Hein? Tu peux l'enlacer, faire un petit rapprochement physique comme ça et reflirter un coup. Voilà, hein? Et puis, tu vas aller lui dire qu'elle est très très belle. Voilà. Tiens, regardez les vieux là. Enfin, les vieux. Séraphine est venue jusque à la maison parce qu'elle s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à creuser avec Godi. Godefroy, quoi. Et elle vient se présenter tout en volant comme une malpropre notre pasta, nos pastas. Franchement. Ah non! Pas de bol, mon Gaudy! Tu te fais piquer! Oh! C'est quoi ce petit machin là? Samuel Fourquin! Bah ouais, mais bon, ça servira à rien si on te parle. On peut être gentil, hein, mais bon. T'es un fils de fermier, donc en fait, ça ne nous intéresse pas. Sorry. Oh, et sinon, mon idée de titillage du doigt, ça te plaît? Oh, bah bien sûr, incroyable! Tu crois que je serais venue dans ce taudis juste par comme ça? Non, mais franchement. Oh, oui, alors, rapprochons-nous, ma belle. Oui, quand tu veux. Et sinon, on peut faire ça avec les mains aussi. Je fais vraiment n'importe quoi. Bon, allez, tu vas embrayer, mon petit. Allez, tu vas même te tenir par la main. Et puis après, on pourra embrasser quand même, hein, histoire de officialiser pour de bon. Oh, qui sont choupis. Oh my god! Oh my god! Oh, bravo, Godefroy. Mince! Attention tes mains, Godefroy. Attends, il faut attendre un petit peu avant, hein. On va pas se bécoter. Par contre, tu vas pouvoir échanger tout de suite des anneaux. Allez, échangeage des anneaux, mes enfants. Oh là 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 là, c'est chaud bouillant. Fais gaffe à tes mains, Godefroy. Alors, allez, on officialise un peu. C'est un échange d'anneaux. Je te suis promise, je me suis promis. En tout cas, elle est toute retournée, celle-ci. Ici aussi, c'est l'amour entre Lali et Julien. C'est trop choupi. Je suis quand même étonnée que pour l'instant, alors qu'on est troisième jour de printemps, on a encore pas mal de neige sur le terrain. Ça devrait partir. J'aurais pensé que ça repartirait plus vite que ça. Un nouveau jour se lève sur la planète Lerden Lady et Adélie est à 0 jour de grandir, mais elle ne clignote pas encore, donc faut s'armer de patience. Il a bien fondu le Godefroy quand même là. Il a été courir quelques fois. Il est plutôt beau gosse, moi je trouve. Je sais pas vous, mais bon, alors il a des traits de caractère de merde, ça c'est le jeu qui a voulu. Mais il est pas mal. Oh, mais j'avais pas vu, moi, que Julien, il avait un boulot, ça nous a rapporté 56 simflouzes. Ah, bah je vais les enlever du coup, hein. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi tu te fais attaquer alors que t'es à l'intérieur de la maison, toi? Et elles sont folles, ces abeilles. Ça rigole ici, hein, ça se raconte des vannes, hein. Ah d'ailleurs, le bouquet est dégueulasse là. Tu pourras t'en occuper, la liste up. Voilà. Mais quoi? Mais lui aussi il se fait attaquer! Mais elles sont folasses! Oh, mais pendant que ça papote, ça y est, Adélie clignote! Adélie clignote! Ah, j'ai hâte de voir ça bouille! De la patience, les enfants. Vous n'allez pas croire qui je viens de croiser. Beaucoup trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh ben ici, ça prend du bon temps, hein. Toujours à jouer au fer à cheval, là. Écoutez, ça les occupe, hein. Ah, mais regardez-moi ces abeilles! Elles piquent tout le monde! C'est pas possible, hein. Elles ont la rage ou quoi?
Allez, Godefroy, tu vas te mettre à bricolage pendant que ton père va t'enseigner, puisque lui, il a quelques années derrière lui d'expérience, hein. C'est grâce à lui qu'on a réussi à s'en sortir, donc il va t'enseigner comment travailler le bois. Peut-être que si tu reprends l'entreprise familiale, tu le feras bien. J'adore, il est à fond en train de lui apprendre et tout, c'est trop mignon. Voilà, il est fier du coup! Ah, c'est cool, vas-y, tu vas me faire une autre sculpture et papa, il va continuer à t'enseigner. Allez, c'est parti. Bonjour, jeune homme. Que faites-vous là? C'est un jeune adulte de... un bourgeois. Ouais, je suis pas fan de ta tête, en fait. Ouais, t'as des beaux yeux, mais... ouais. Du coup, il progresse bien, hein. Il est déjà au niveau 3 et tout. Regardez comme... il est à fond avec des... tout, il transmet à son fils. Ah, j'aime trop, c'est trop mignon. Du coup, tu peux fabriquer quoi? Ah, vas-y, tu vas nous faire des quelques jardinières, alors. Histoire que ton skills puisse être rentable un petit peu aussi. Bah, qu'est-ce qui se passe, Julien? T'es vieux avant le... Ah bah d'accord, il y a un petit comité ici devant la cheminée. Tout va bien, tout est normal. C'est pas possible, ces abeilles! Ah, d'ailleurs, la neige commence à fondre et ça, c'est bien. Et oui, Radis s'est mis au tricot. Alors, comme je n'ai autorisé que les grenouillères pour bébé et à partir, alors seulement en coloris gris pour la génération fermier et artisan, puis toutes les couleurs pour les autres générations, eh ben, je me dis, Radis, elle va commencer à tricoter, puis détricoter, puis retricoter, puis détricoter pour arriver au niveau 8, parce que c'est au niveau 8 qu'il faut les grenouillères pour bébé. Donc, il n'est jamais trop tard. Maintenant, il continue un peu de neiger, mais la neige est quasiment partie de tout notre terrain. Voilà, c'est le vrai printemps qui va débarquer et ça va faire du bien de revoir le soleil. La journée commence bien, hein. Voilà, tu vas pouvoir utiliser ton petit toilette après l'avoir réparé. C'est grâce à toi, mon petit Amédée, tout ça, hein, tout ce confort qu'on a. C'est grâce à toi. Du coup, ben voilà, ça commence pour lui. Et après, ben, si tu as faim, tu pourras aller manger. Oh là là! Oh là là! Adélie vient de vieillir! Oh mon Dieu, elle a l'air trop belle. Bon, écoutez, pour l'aspiration, on va repartir sur une familiale, descendance qui réussit, je pense qu'on est bien. Et elle avait le premier trait perfectionniste. Attention au deuxième trait qui sera 1, 2, oh punaise, 3. Oh non! Oh, malveillante! Oh non! Oh non! Oh, quelle horreur! Oh, la beauté! Oh my god, la beauté! Oh my god, la beauté! Bah, effectivement, là, il faut quand même la relooker, mais... oh, comme elle est belle! Je suis choquée! Comment vous avez réussi à nous faire une enfant aussi? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ok, d'accord. Elle est superbe. Elle est très 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 belle, mais bon... Ma petite, ça va être dur de choisir, mais je trouve que le visage est différent par rapport. Elle ressemble. En fait, je pense qu'elle a pris vachement d'Amédée et elle a les yeux de. Ouais, non, mais oui. On reconnaît quand même du Radegonde en elle, mais waouh, beauté. Et voilà, après relooking, à quoi ressemble Adélie? Bah voilà, on est clairement sur du beau level quoi. Elle ressemble quand même à Eulalie. Elle ressemble quand même à Radis. Mais elle ressemble quand même aussi à Amédée. Je la trouve magnifique. Hein. En plus, profil très très beau. Bon, bref, allez. Elle casse tout haut à la baraque quoi. Adélie Aubert. Franchement, ça valait le coup d'attendre si longtemps de te voir en adolescente, ma petite. Voilà, maintenant vous l'avez vue. Pendant ce temps-là, notre belle Radis. Hein, elle commence à tricoter, elle s'exerce un petit peu, elle détricote et elle détricote. Voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant pour jouer au fer à cheval, non? Hein? Sans neige, tout ça. Et puis peut-être que les abeilles vont se calmer aussi, hein, maintenant que ça va être leur saison, on espère. Et comme une belle femme à marier, enfin déjà promise, hein, eh bien Mélanie va faire la lessive. Alors vous inquiétez pas, le mariage avec Julien va arriver, hein, les bébés aussi, mais pour l'instant je ne sais pas si elle sera l'héritière ou pas.
Donc ça ne sert à rien de précipiter les choses, sachant que Julian est devenu jeune adulte seulement la semaine dernière. Du coup, il y a très grand moyen que je vous fasse voter dès aujourd'hui entre Adélie et Godefroy. Malgré que vous ayez à peine vu Adélie, mais vous connaissez ses traits et son visage. Donc voilà, laissez-lui une chance, parce qu'en général, c'est vrai que quand ceux qui sont à peine grandis, vous les squeezez un peu rapidement. Mais là, histoire qu'il n'y ait pas trop d'écart et qu'avec Lali, si elle est choisie, finalement, on n'a pas trop de... Voilà. Donc je pense que c'est intéressant que je vous fasse voter entre ben, Godefroy et Adélie, quoi. Donc réfléchissez bien pour l'instant. Okay. Oula! Il y a une chorale qui se fait là. Et pourquoi ils sont tous autour de la cheminée? Après, c'est fait exprès, c'est convivial et tout. En plus, elle se balance sur sa chaise, c'est vraiment parfait. C'est une ambiance incroyable. Avec les bougies au premier plan, moi je suis en kiff, hein, je vous dis, c'est complètement pour ce genre de scène que j'adore ce challenge. Du coup, voilà. Hein. Vous allez être confronté à un choix assez difficile, Godefroy ou Adélie. Le lien de vote pour voter sera dans, évidemment, comme d'habitude, dans la description. Comme c'est la semaine prochaine, on passera directement à la finale, hein, c'est-à-dire que ce sera le finaliste entre Godefroy et Adélie contre Lali. Un beau petit godie. Alors, ce qui est bien, c'est que les deux derniers sont tous les deux malveillants. Donc c'est trop cool, hein. C'est super. Parce que lui, il est égocentrique et malveillant, donc c'est pas terrible. Et Adélie, eh bien, elle est perfectionniste et malveillante également. Mais vous inquiétez pas, moi je vais les mater, hein. Je vais leur dire, ah non mais ça suffit vos bêtises. Hein. Voilà, maintenant laissez une chance à Adélie quand même, parce que les derniers nés, vous les aimez pas trop. Mais regardez comme elle est trop belle. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que c'est Frénégonde, mais avec les yeux de papa, quoi. Et avec la peau de maman. Elle est superbe, c'est vraiment un très très beau mélange. Je valide. Mais c'est une vraie obsession, ce jeu du fer à cheval, dis donc. Oh, t'es mignonne, Lali, elle vient faire la vaisselle. Trop chouquette. En tout cas, ça s'amuse, c'est l'essentiel. Et bien sûr, bon, ils sont à côté des abeilles, hein, mais... pour l'instant, on les attaque pas. Bah, Adélie, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait un jigsaw. Ah bah oui, t'es bêtée, cocotte. En plus, t'es même pas fatiguée. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oh la vache. Oh, elle a l'air bourrée. Ah, ça devient n'importe quoi, là, ce jeu. C'est plus possible. Hein. Regardez-moi ça. Regarde. Votez pour moi. Ah oui, votez pour moi. Et pendant qu'Adélie se fait un dernier petit brin de toilette avant de retourner se coucher. Bon, en même temps, il est 2h du mat, donc on va dire que oui. Moi, je vous fais des bisous, hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à voter pour tout simplement entre Adélie et son frère Godefroy, qui seront donc dans la finale et qui affronteront Eulalie en finale la semaine prochaine. Ça y est, hein, ça va être décisif la semaine prochaine. Je pense que je vous laisserai une semaine. Il n'y aura pas d'épisode le mercredi d'après pour que ceux qui sont en retard aient le temps de tout rattraper. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, et etc. Vous savez que c'est y a que comme ça que vous m'aidez, en tout cas, pour me faire connaître. Je vous fais très gros bisous, à la semaine prochaine pour la finale. Ciao !